Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter cette Motorola GP 380 qui va être sur eBay. Ça va être le lot numéro 1. Voilà. Comment il se présente. Je n'ai pas le cache pour le côté, mais il est très très propre. Bouton sur le côté, il n'a pas été utilisé beaucoup. Les boutons par contre sont devenus un peu marron, mais ils sont très bien. Ils cliquent. Ils sont très bien. Le derrière est très bien aussi. Un peu de trucs ici, mais c'est rien de grave, hein. Elle est très très propre. L'antenne va pas être livrée avec, ça c'est une antenne pour tester. Je vais voir si j'en ai en stock. Je peux mettre avec, soit je n'ai pas de cache, l'antenne viendra pas avec. J'ai la batterie. Bon, c'est du vieux stock, hein. La batterie elle est un peu fatiguée et puis elle tient pas la charge. Hein. Mais bon, au moins vous pouvez voir qu'elle marche. Voilà, la batterie elle est à plat. Il n'y a qu'une, je les vide de fréquence et puis je le mets sur la fréquence de test pour moi. Voilà. Après, on va tester avec une autre radio. 145, 500. Avec le Lycom. Bon, la batterie va pas tenir, mais 1, 2, c'est juste pour chercher, tester. 1, 2, 3, 1, 2, 3, test radio. Test radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, F4JUC, F4JUC, qui essaye. Voilà. En émission, il émet aussi. Ici, F4JUC. Normal, la batterie est un peu fatiguée. Il y a le chargeur, mais le chargeur c'est le mien, il vient pas avec. Hein. Mais voilà, le lot numéro 1. Il est très très joli, il est en bon état quand même. Hein, mais il n'y a pas de rayures, ça c'est assis. Il y a quelques rayures, mais rien de très très grave. Hein. Voilà. J'espère que ça vous va. Je vais faire l'antenne. Voici le haut avec le sélectionneur de canaux. Merci.